Președintele Emmanuel Macron promovează o doctrină prin care Europa să devină o voce mai puternică în politica externă mondială. Iar acest lucru se poate întâmpla doar dacă statele membre ale blocului comunitar decid să vadă dincolo de interesele individuale și să se gândească la binele comun. De altfel, Europa a arătat că poate vorbi pe o singură voce când a luat de curând o decizie istorică privind bugetul pe următorii 7 ani și fondul de relansare economică. Laurent Soyer este noul ambasador al Franței la București. Discutăm împreună despre doctrina Macron și puterea Europei Unite. Sunt Cristina Cileacu. Începe Pașaport Diplomatic. Madame l'ambassadrice Laurence Soyer, soyez le bienvenu à Passeport Diplomatique. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'est ma première interview dans une télévision qui est une télévision roumaine. Et je suis très heureuse que ce soit avec vous, parce que c'est en français. Când Europa decide să-și arate forța, o face în stil mare. Cea mai recentă întrunire a Consiliului European, adică a șefilor de stat și de guvern ai statelor membre, s-a încheiat cu o listă consistentă de decizii. Avem buget pentru următorii 7 ani, un fond important pentru revenirea economiilor afectate de pandemie, o țintă clară a reducerii emisiilor de gaz de seră, dar și hotărâri despre Brexit și sancțiuni impuse Turciei. Până și condiția primirii banilor europeni cu respectarea valorilor statului de drept a fost acceptată de toată lumea, inclusiv de Ungaria și Polonia, țările care contestau acest factor. Doar că nu prea se înțelege cum se va pune în practică noua regulă. Le Conseil européen est enfin parvenu à un accord sur le budget pour le prochain cette année et aussi le fonds de redémarrage économique. Qu'est-ce qu'on fait avec la réforme de l'Union européenne? Parce que la part sur l'utiliser le fonds européen dans le respect de l'état de droit n'est pas assez claire. C'est une décision du Conseil européen qui a été très difficile. Vous savez que la préparation de ce Conseil était sujette à beaucoup de discussions. Et je dois vous dire que nous sommes à la fois heureux, fiers et surtout nous reconnaissons le travail de la présidence allemande qui a réussi à trouver cet accord sur le budget européen. Honnêtement, c'est un budget européen unique, exceptionnel. Vous avez à la fois le cadre financier pluriannuel, qui avait déjà été validé en juillet, mais vous avez cette deuxième facilité, la facilité de relance, qui est une facilité pour moitié en prêt et l'autre moitié en don, qui permet à l'Union européenne de faire face à la pandémie. C'est unique dans l'histoire de l'Union européenne. C'est une mobilisation qui va permettre à la fois aux systèmes économiques et sociaux de présenter des projets au titre de ce plan sur la résilience sociale, la résilience éducative, la résilience sanitaire. C'est un budget qui va permettre aussi de préparer les infrastructures qui seront nécessaires là aussi, à la relance. Et à cet égard, je dois dire que la Roumanie aura une part importante de ces 750 milliards d'euros pour la relance. Et c'est aussi une décision qui doit être saluée parce que la Roumanie nous a aidés à faire passer l'état de droit. Alors cette conditionnalité état de droit, elle était indispensable. Elle avait déjà été décidée au mois de juillet. Elle a été formalisée, donc avec une clause pour rendre les choses plus claires dans le règlement financier. On a trouvé un accord avec la Hongrie et la Pologne, comme vous le savez. Encore une fois, je dois dire que la présidente du Conseil, Mme Merkel, a joué un rôle prépondérant et que heureusement que nous sommes arrivés à un accord. Parce que les crédits vont pouvoir être débloqués dès le mois de mars-avril. C'est le premier budget qui sera dépensé en 2021 pendant la pandémie. Donc c'était essentiel. Polii informali de putere ai Uniunii Europene sunt Germania și Franța, respectiv liderii celor două țări. În vreme ce Angela Merkel se pregătește să iasă din scena politică, Emmanuel Macron vrea să reinventeze lumea și pune în dezbatere publică europeană teme care să facă Europa mai puternică în lume.
L'Union européenne dit qu'elle veut être une voix plus forte dans le monde, mais ses membres ont des intérêts différents. Angela Merkel se prépare pour la fin de sa carrière politique et l'Union européenne perd un leader. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut-il faire entendre la voix européenne dans la politique étrangère mondiale? Oui, alors tout d'abord, le président de la République, Emmanuel Macron, va avoir cette tâche de présider lui-même le Conseil européen à partir de 2022. Donc, je ne dis pas que nous ferons aussi bien que l'Allemagne, mais en tout cas, nous serons là pour assurer nos responsabilités. Et dans le même temps, vous vous souvenez que le monde, évidemment, évolue. Nous allons, dans un cadre multilatéral, retrouver les États-Unis avec nous sur les questions du climat. Le nouveau président élu a également indiqué qu'il rentrera à nouveau dans l'OMS. Donc l'année 2021 est consacrée entièrement à la sortie de la pandémie, à la lutte contre la pandémie, avec des outils multilatéraux. Le fait que l'Union européenne ait pris cette décision sur son budget, désormais, nous permet de regarder à 27 ensemble sur toutes les autres questions qui se posent, et notamment le changement climatique. C'est la deuxième décision du Conseil européen de jeudi-vendredi. On a pris un engagement extrêmement ambitieux avec la Roumanie, je tiens à le dire, parce que c'est un fait, là aussi, qui est un grand courage, qui doit être porté au crédit de l'ensemble des États membres et de la présidence allemande. Nous avons décidé de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 au regard de 90. Donc je dirais que tous ces combats, la pandémie, mais aussi le changement climatique, montrent que l'Union européenne travaille pour les défis globaux. Et à cet égard, je trouve que les décisions de jeudi et vendredi, toutes, peut-être vous me laisserez revenir sur le terrorisme, on a aussi pris une décision pour bannir des sites internet les incitations au terrorisme, et pour la France, c'était très important. Donc évidemment, on a eu peur parce que c'était difficile, ce Conseil européen, mais in fine, sur tous les défis globaux, j'ajoute le terrorisme. Terorismul este nu doar fenomenul de pe urma căruia Franța a suferit enorm în ultimii ani, dar și un subiect pe care președintele Macron vrea să-l aducă în atenția lumii, tocmai pentru că extremismul trebuie combătut în egală măsură peste tot. Francezii lucrează acum la un nou proiect de lege, care să reducă mult din cauzele care duc la comportamente radicale, iar lucrurile se fac cu multă finețe, pentru ca nimeni să nu poată specula că această lege ar fi împotriva religiei. La France lutte contre l'islam extrême et travaille sur une nouvelle loi pour ça. Qu'est-ce que c'est et comment la communauté musulmane de la France voit-elle cette proposition? Oui, alors c'est une loi qui a été présentée à titre de projet devant le Conseil des ministres mercredi. Mmh. Donc c'est un processus qui a été lancé. Vous savez, on avait en France une loi, la loi de 1905, du 9 décembre, et un siècle après, juste un siècle, le nouveau projet de loi va réaffirmer un certain nombre de principes. Le premier principe, donc, c'est une loi qui n'évoque pas l'islam, qui n'évoque pas la religion, c'est une loi sur la République, sur les principes de la République. Évidemment, elle va toucher les religions, puisque elle va commencer par rappeler les principes d'il y a un siècle, la séparation entre l'État et les religions. Mais dans un deuxième temps, elle va donner au gouvernement les possibilités de contrôler un certain nombre de choses. Alors je pense aux écoles, je pense également au financement. Et en effet, vous avez raison, in fine, ça va toucher une partie de la lutte contre le terrorisme, parce que, mais c'est seulement dans un deuxième temps, il y a par exemple une disposition du projet de loi qui prévoit qu'on contrôle les financements qui viennent de l'étranger vers les associations françaises. On a dans cette loi, par exemple, au-dessus de 10 000 euros, vous avez un contrôle de l'État. Donc, somme toute, dans sa première partie, donc, il réaffirme la séparation, et dans sa deuxième partie, mais mieux contrôlée, à l'école, dans les lieux de culte, et aussi dans le tissu associatif, ce qui est vraiment religieux et cultuel, et le reste, c'était, je crois, intéressant. Il n'y a pas d'implication internationale. C'est une loi française.
Ce n'est pas comme les mesures que l'on prend pour lutter contre le terrorisme au Conseil européen. L'histoire du terrorisme, c'est ancien, mais nous vivons maintenant dans une époque où les extrémistes combattent contre les infidèles. Et les communautés sont plus en plus divisées par des idéologies. A-t-il des solutions à ce problème? Bon, monde globalisé, crise. Crises régionales répétées, on les connaît. Donc il y a une fragmentation en effet des communautés et une diffusion extrême de toutes les idéologies. Je crois que c'est pour cela aussi que nous prônons en France pour le multilatéralisme et pour la diversité culturelle, se parler, se comprendre, mieux dialoguer. La pandémie a apporté un coup dur à tout cela. Nous avons dû prendre des mesures qui restreignaient nos libertés et qui aussi restreignaient la capacité que nous avons de bouger, de voyager, de dialoguer. Il faut donc être de plus en plus vigilant sur cette menace. Bien sûr, nous portons cette responsabilité à l'ONU dans les opérations de maintien de la paix. Nous sommes au Mali, nous sommes aussi aujourd'hui toujours aussi préoccupés parce qu'il se passe au Karabakh, mais il faut voir que nous ne sommes pas tout seuls. La position française est toujours solidaire. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues avec mes collègues diplomates roumains sur ces dossiers. Il faut se comprendre et il faut aussi avoir une appréciation de la menace qui doit être partagée. Elle n'est pas la même dans tous les pays. C'est aussi pour cela que quand nous avons préparer cette nouvelle feuille de route bilatérale, nous avons voulu un dialogue stratégique pour avoir ces sujets-là dans notre dialogue quotidien. Colegiul electorilor a decis oficial că Joe Biden este cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta nu înseamnă că efectele deciziilor părtinitoare luate de administrația actuală în relația cu Uniunea Europeană vor dispărea rapid. Lecția oferită de președintele Donald Trump este că nu trebuie să lași niciodată garda jos. Chiar dacă discuți cu un aliat istoric. Donald Trump n'avait pas une relation normale avec l'Union européenne et la nouvelle administration Biden promet de revenir à une liaison classique. Comment est mieux réparer ou améliorer la relation pour qu'elle soit plus forte dans l'avenir? Alors il faut reprendre le fil de la relation transatlantique dans ce qui était prévu de toute façon. Là, c'est la présidence de l'Union européenne slovène qui va s'en occuper après la présidence de l'Union européenne portugaise. C'est l'accord avec les États-Unis, Union européenne, États-Unis. Ça porte surtout sur les relations commerciales. Mais je dois dire, puisque je suis française et que nous avons cette relation historique mais profonde avec les États-Unis, vous savez, sans les États-Unis, nous n'aurions pas réussi à libérer la France. Le 6 juin 1944, c'est l'allié américain qui est venu libérer les côtes françaises. Et nous avons cette relation depuis Lafayette, depuis deux siècles. Donc je dirais qu'au-delà de ces agendas et finalement de ces choses qui sont complexes et nous n'avons pas autorité pour juger ce que le peuple américain a et la transition qui va arriver, nous voulons une bonne relation avec les États-Unis. Nous voulons une bonne relation avec les États-Unis parce que le monde multilatéral en dépend, les crises régionales en dépendent, l'aide au développement. Samedi, il y avait cet anniversaire, l'accord de Paris. C'était le jour de l'anniversaire. La France co-présidait avec le Royaume-Uni cette cérémonie. Nous avons rappelé les engagements de l'accord de Paris. C'est on compense dans les pays qui en ont besoin et qui n'ont pas eu la possibilité également d'avoir des économies qui dépensaient du carbone et qui produisaient ce fléau qui va finalement mettre en danger la planète. Nous nous sommes engagés à Paris également à aider les pays. 2020 este anul în care lumea a devenit mai atentă la China și a văzut mai mult din ce și cum poate să facă această putere mondială pentru propriile scopuri. Americanii au decis deja ce fel de relație vor avea cu chinezii. Europa încă ezită, pentru că este mai atentă la nuanțe.
La Chine sait ce qu'elle veut et suit son plan. Les États-Unis ont déjà une position très claire sur la Chine. L'Union européenne a, comme d'habitude, deux positions différentes parce que tout le monde a un intérêt. Quelle est la position de la France à regard à cette connexion? Ouais. Avec l'accord de Paris, nous rappelions que la Chine et l'Inde sont les pays aujourd'hui les plus peuplés et donc producteurs de gaz à effet de serre, sont dans l'accord de Paris. Ça vous montre finalement l'importance de maintenir cet aspect multilatéral. Mais évidemment, nous ne sommes pas non plus uniquement focalisés sur cette question du climat. Nous travaillons avec la Chine sur des questions qui sont difficiles. Je veux rappeler plusieurs déclarations du président de la République sur des situations des droits de l'homme, évidemment à Hong Kong, évidemment sur les Ouïghours, qui sont un peuple aujourd'hui qui sont en Chine et où il y a encore des tentatives pour aller avoir un accès à ces populations, et évidemment le volet européen qui est surtout le volet commercial. Ce que je veux dire ici, c'est que nous avons dans le spectre de la relation avec la Chine, outre la pandémie, des points qui sont des points fondamentaux pour l'avenir du monde. Et on va revenir toujours à cette question des valeurs, du respect des droits individuels, des individus. En Roumanie, on connaît ça très bien avec la chute du communisme. L'agenda de discussion sur le climat, c'est une chose, et puis il y a tout le reste. Rusia și Turcia au interese geopolitice care, ba sunt comune, ba se bat cap în cap. Cert este că metodele prin care vor să le atingă încalcă legi internaționale. Franța și Turcia și-au deteriorat destul de mult relația în acest an. În privința Rusiei, președintele Macron are un plan pe termen lung, doar că realitățile din teren îi cam strică socotelile. Emmanuel Macron a declarat au debut de cette année că l'Europe devrait avoir une meilleure relation à long terme avec la Russie. Récemment, le président français a accusé la Russie et la Turquie de promouvoir des sentiments anti-français en Afrique. Alors, quelle est la bonne approche pour la Russie? Tout d'abord, il faut bien remettre dans le contexte qui est le sien cet grand entretien du président de la République. Et honnêtement, je ne crois pas qu'il ait parlé hors contexte. Le contexte particulier qu'il évoquait quand il a prononcé cette idée dans une même phrase où il parlait de Russie et Turquie, c'était très clair. On était en train de parler de la situation, de la crise qui existe aujourd'hui avec dans la région. Dans la région, on a deux conflits qui sont très très importants, qui ont exigé qu'on fasse des coalitions. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Et par ailleurs, un conflit meurtrier, une guerre au Haut-Karabakh. Il faut bien distinguer les différents objets parce que il se trouve que la France est le coprésident du groupe de Minsk et qu'on est en train aujourd'hui au Haut-Karabakh d'essayer de mettre en œuvre un cessez-le-feu. Mmh. Et donc les partis doivent s'engager. Ils se sont engagés à mettre en œuvre ce cessez-le-feu. Pour ce qui est de la Turquie, c'est très différent. La Turquie, vous savez, le Conseil européen a pris un certain nombre de sanctions. Nous avions dit en octobre, si la Turquie continue à contester la souveraineté de Chypre et de Grèce et faire des provocations en Méditerranée orientale, il y aura des sanctions. Vous êtes la nouvelle ambassadrice de la France en Roumanie et si vous êtes venue ici dans une période pandémique, mais je suis sûre que vous avez déjà beaucoup de plans pour votre mission à Bucarest. Quels sont-elles? Oui, alors d'abord, la pandémie, c'est quand même un défi. J'ai la responsabilité de protéger mes agents, d'éviter les contacts inutiles
et cependant de répondre à une communauté française qui est importante et à un tissu économique franco-roumain qui est essentiel. Nous devons faire fonctionner, avancer dans les nouveaux investissements, avancer avec les entreprises françaises parce qu'elles recrutent. Donc je dois, dans le fond, à la fois protéger les stagiaires, les jeunes qui arrivent, informer, faire le lien en permanence avec Raed Arafat. On passe notre temps, encore ce matin, pour expliquer aux uns et aux autres dans les deux pays où on en est de la pandémie. Bon, c'est un défi. Je ne cache pas que certaines fois, je renonce. J'ai pu faire 3 déplacements pour l'instant. Nous avons aussi changé nos méthodes. Par exemple, les cours de langue qui sont passés dans un format numérique, les clubs d'affaires qui passent en format numérique, les captations, par exemple, le cinéma, malheureusement, Elvire Popesco est fermé. Et donc, on a développé des choses en ligne. Et ça restera. Ça restera. Il faut vraiment que tout le monde se rende compte que, en matière d'éducation, on a créé des choses, on a créé de la valeur ajoutée. Et en particulier avec le numérique. Et ça, la France, vous savez, est très, très, très désireuse d'avancer sur ce sujet. On veut aider en bilatéral à ce que les industries culturelles et créatives roumaines puissent trouver un marché et puissent trouver et valoriser tout ce que vous savez faire magnifiquement. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Revenim vinerea viitoare cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe la ora 11:30 și în reluare sâmbăta la 22:30. La revedere!